ton intelligence te parle. Que ta conscience se prépare. Que ton raisonnement se prépare. Que ta sagesse se prépare. Hey! Que tes regards se préparent pour rencontrer l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, mon frère et ma soeur. Que les enfants se préparent. Mais que le combat, que les adultes se préparent. Que ta maison se prépare. Hey! Que tes oreilles se préparent. Soutiens le combat. Que tout ce qui bouge en toi se prépare. Que tout ce qui reste se prépare. Que ta femme, ton mari, se prépare. Que le rétrogradé se prépare. Que celui qui est debout se prépare. Que le serviteur se prépare. Que le maître se prépare. Que l'esclave se prépare. Que le libre se prépare. Mon frère, ma soeur. Que celui qui rit se prépare. Que celui qui pleure se prépare. Et maintenant, tu tiens le combat dans les lieux très élevés. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, tout puissant, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. On se prépare, quand on se prépare pour rencontrer quelqu'un, la chose la plus importante sera le voir. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu veux le voir. Le voir, il faut voir les yeux. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, quelqu'un qui se prépare à la rencontre de l'épaule, parce que la cantate que nous venons de chanter s'inscrit en vrai dans la thématique de notre enseignement. Par l'esprit, la Bible déclare, par le sang et par le Saint-Esprit et par la conscience qui veille. Alors que tout qui va satisfaire ses regards. Voilà Dieu. Amen. Alors, donc, il est celui qu'on doit se préparer à voir, à rencontrer, pour rencontrer quelqu'un. C'est que la partie la plus importante pour toi, l'organe sensoriel, la plus importante pour toi, sera tes yeux. Amen. Amen. Regarde à Dieu. Quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu admets, quelqu'un pour qui tu as de l'amour profond, quelqu'un que tu redoutes. Amen. Amen. Regarde à Dieu. Tu as entendu parler de lui. Job va nous dévancer dans cette conscience. Il m'a dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu as détruit mes enfants. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Tu as détruit les serviteurs. Tu as détruit ma vie. Tu as enlevé jusqu'à la dernière goutte de ce qui pouvait m'empêcher de te voir. Voilà Dieu. Amen. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Et tu m'as recréé. Maintenant, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu m'as donné la capacité de paraître en ta présence. Le jour terrible, le jour préparé par Dieu connu de Dieu seul. L'organe sensoriel la plus importante sera tes yeux. Gloire à Dieu. Amen. La manière dont tu vas le voir. Comment te sera-t-il favorable? Va-t-il te rejeter? Il a le pouvoir de donner la vie éternelle à qui il veut. Et il peut brûler la paille dans le feu. Feu qui ne s'éteint pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminer beaucoup d'autorité. Alors, le voir, il a la sentence de ton éternité. La conscience que tu as va déterminer. Voilà Dieu. Amen. Le regard. Alors que tu vas lui lancer. Alors, si tu as une très bonne conscience envers lui, le regard te sera favorable. Amen. Amen. Son regard, lui, te sera favorable. Alors, mais si tu as une mauvaise conscience, gloire à Dieu, amen. Par rapport à lui, son regard te sera défavorable. Il va plus loin. Gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il va bien de là-bas. Au dernier jour, il dira aux autres que je ne vous ai jamais connu. Aux autres, il dira que je vous ai connu. Son nom. C'est la parole de Dieu. L'instrument la plus importante dans une rencontre pour examiner
déterminer celui avec qui tu veux marcher éternellement. Amen. Amen. Pour sélectionner, ça va être tes yeux. Tes yeux doivent être sages. Tes yeux doivent te parler. Tes yeux vont te conduire. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors ici, il va travailler fort. C'est lui qui vient, doit travailler fort pour préparer ceux qui vont le rencontrer. Gloire à Dieu. Amen. La rencontre de l'épaule qui arrive, l'humanité est une épouse. Et puis l'épaule travaille fort pour préparer l'humanité à sa rencontre. C'est une humanité et c'est pendant deux groupes, en deux femmes. Il y a une femme qui est une nouvelle créature. Amen. Amen. Elle s'appelle l'Église sainte. Il y a une autre femme qui reste adultère. Alors, c'est Babylone, la grande, la l'Église, qui est l'épouse de l'agneau, qui se prépare à sa rencontre, doit l'attendre, gloire à Dieu, et doit porter les regards de ses désirs vers son mari. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la prophétie dit. De l'époque qui va venir, que les décès de la femme se tourneront vers son mari. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, si la femme si a les décès de la vie éternelle, son cœur va se tourner vers le mari qui peut donner la vie éternelle. Si la femme sait, a les décès de gagner sa vie dans le monde, son cœur va se tourner vers le mari qui peut donner la vie du monde. N'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la mort du père. Mais point en lui. Nom, c'est la parole de Dieu. Terminer préparation à la rencontre terrible de l'époux, de tout puissant, du feu des bonheurs, alors de l'agneau et du lion. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors il va travailler. Premier travail qu'il va faire, il a montré qu'il fallait que la femme ait la conscience. Elle va chuter, faute de conscience forte dans la parole, faute de l'autorité, la conscience de l'époux. L'époux à la tête de tout. Où il arrive de la femme, l'époux et la conscience, gloire à Dieu. Amen. De la femme, le parapluie, le manteau, la réflexion, la maturité, gloire à Dieu. Amen. Il n'est pas conduit par l'émotion, son nom. C'est la parole de Dieu. Il est sage, il voit loin, il est le fondateur, il est antérieur à la femme. La femme est sortie de lui, amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ton créateur sera ton époux. Alors, il va t'aider, gloire à Dieu. Amen. À voir, il va t'enseigner le mystère du regard qui fascine. Gloire à Dieu. Amen. Le mystère du regard qui te fait aimer ce que tu vois. Gloire à Dieu. Amen. Qui te fait admirer ce que tu vois. Alors pour le faire, il faut que tu aies d'abord une conscience. Il va t'enseigner que le regard est une conscience. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. De Dieu. Alors tu as une conscience d'abord. Son nom, c'est la parole de Dieu. La façon de penser, la façon de comprendre, la connaissance. Gloire à Dieu. Amen. Alors la maturité, le regard va déterminer la maturité d'une conscience. Gloire à Dieu. Amen. Le regard parle, le regard vit. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le regard justifie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas le regarder avec le regard d'admiration, de justification, ou bien le regard de la condamnation, de la culpabilité. Comment cela se passera? En fait, je prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Va rencontrer celui qui peut te préparer à la rencontre de ton Dieu. Vraiment, avec la conscience de la parole qui parle. Alors, ici, si on comprend clairement qu'il faut une conscience. La première conscience, c'est celle qui valorise le bien en tant que le bien de la vie éternelle. Et pas le mal comme le feu qui ne s'éteint pas. Gloire à Dieu. Ça, c'est une autre conscience. Gloire à Dieu. Amen. En faveur de la femme qui va vivre éternellement dans son mariage. Alors, il y a la conscience de l'autre rival, de l'époux. Amen. Amen. Qui est la conscience du bien et du mal. Alors là-bas, tu ne connais pas le bien, pour toi, c'est gagner la terre. Amen. Amen. Et le mal, pour toi, c'est perdre les choses du de monde. La terre. Voilà une autre conscience. Gloire à Dieu. Amen. Alors les deux consciences, maintenant, quand elles existent comme ça, elles auront maintenant besoin des yeux. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. On parle du regard de la conscience, expliqué par celui qui prépare à la rencontre de l'époux. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Une épouse qui n'a pas un bon regard, qui ne sait pas juger, qui ne sait pas voir. Il a les beaux yeux, il a les beaux seins, il a les longs pieds. C'est ça qui va t'avoir la vraie terre. Non. Son nom, c'est la parole de Dieu. Une fille immature, avec une beauté éternelle, tu vas la voir derrière un petit délinquant. Gloire à Dieu. Amen.
parce qu'il sait danser le smurf. Gloire à Dieu. Parce qu'il sait mettre le pantalon et il a les boucles d'oreilles. Tu t'imagines, la Bible dit qu'un anneau d'or sur le nez d'un porceau, ça ne sert à rien. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas voir les gens avec une beauté créée pour aller loin. Ils vont aller finir dans la boue, dans la saleté. Une fille qui aurait fini en haut, gloire à Dieu, en épousant une grande conscience. Eh bien, tu vas la trouver avec quelqu'un dans le. Parce qu'on lui a donné un bonbon et chocolat. Amen. Amen. Avec un baguida. Son nom, c'est la parole de Dieu. Que Dieu voit mal. Conscience faible. Gloire à Dieu. Amen. Alors, finis dans la mort, à la perdition. Terminé, trompé, menti. Non scolarisé. Gloire à Dieu. Amen. Non éduqué. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il va l'enseigner. Gloire à Dieu. Lui enseigner. Préparer à la rencontre de l'époux. Tu dois admirer. Pour m'admirer, il te faut une connaissance. Il te faut une intelligence. Alors, de ce qui est précieux, de ce qui est beau, gloire à Dieu, dépendamment de ce qui est mis en relief, en évidence, en jeu, gloire à Dieu, pour être examiné. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu. Alors, il travaille très fort. Il donne la conscience. Alors, il y a deux consciences qui te cherchent. Il y a la conscience qui valorise l'éternité et qui dit que le mal, c'est perdre ta vie éternelle dans le feu et la honte éternelle, la disette, la misère éternelle. Il y a notre conscience qui dit que c'est ta vie sur la terre qui est le bonheur. Amen. Et puis la vie que tu n'as pas gagnée sur la terre, c'est le malheur. Voilà les deux consciences. Alors, quand tu viens, il te montre d'abord le regard de la conscience. Il t'enseigne que ton regard est le résultat d'une conscience. Il faut bien oublier, il faut bien comprendre. Toutes les choses que tu vas voir, on te parle ici de te préparer à rencontrer les pauvres. Ça va être le résultat de ta conscience. Tu le verras selon ta conscience. Voilà Dieu. Amen. Celui qui sera l'époux, l'époux sera celui qui est propriétaire de la conscience que tu possèdes. Amen. Amen. Si tu n'es pas un détenteur de sa conscience, il n'est pas ton époux. Voilà Dieu. Amen. Il n'est pas ta pensée. Voilà Dieu. Il n'est pas ton raisonnement. Il n'est pas ton choix. Voilà Dieu. Amen. Il n'est pas alors ta connaissance. Gloire à Dieu. La vie éternelle consiste à te connaître. Alors, je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire que je ne t'ai jamais donné ma conscience. Gloire à Dieu. Amen. Alors, tu n'as pas le témoignage d'être mon enfant dans ta conscience, ta sainteté dont tu prétends être à voir. Quand on va te demander est-ce que tu es comme ça, ta conscience, gloire à Dieu, qui est la paternité, gloire à Dieu, c'est-à-dire que l'époux, ton créateur sera ton époux. Gloire à Dieu. Amen. Alors, cette conscience que tu as reçue, qui est la vie de ton vrai mari et qui est la domination de ton mari, le diable, le dragon, sur toi, va te condamner. C'est lui qui condamne. C'est lui qui a une conscience du mensonge. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, quelle conscience auras-tu devant le trône du jugement? Gloire à Dieu. Quand tu verras le roi, c'est son trône. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, les amis de l'époque disent que mes yeux le verront. Il me sera favorable. Il me sera comment? Favorable. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la conscience qu'il m'avait donnée. Alors, comment ça se passe? Tu as maintenant conscience. Pour celui qui a conscience des choses du monde, commençons avec eux. Amen. Amen. Une fois qu'il a conscience des choses du monde, maintenant, quand tu vois une maison, gloire à Dieu, il y a une maison qui est placée. Il lui faut maintenant voir la maison. Il lui faut maintenant regarder la maison. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre sa conscience qui connaît la valeur. Amen. Et puis, il va prendre les yeux de la conscience ici pour voir la maison avec. Gloire à Dieu. Amen. Alors, avec la conscience ici, qu'il connaît le monde et qu'il aime le monde, il commence maintenant à voir la maison avec les yeux de la conscience. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ses yeux sont ouverts. Gloire à Dieu. Et il admire ce qu'il voit. Gloire à Dieu. Amen. Alors, si tu veux percer ses yeux, c'est la conscience. Gloire à Dieu. Qui doit être renversée. La conscience est l'éclairage. Les yeux, ce n'est pas seulement l'organe physique. Le monde sensible n'émane pas du monde, émane du monde spirituel. Donc le monde spirituel est antérieur. Gloire à Dieu. Amen. Avant qu'il n'ait les yeux, s'il y a d'abord eu d'autres yeux. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu, il faut bien comprendre. Avant qu'on ait créé cette maison, on a d'abord fait un plan que tu n'avais pas vu. Amen. Amen. D'abord, son nom, c'est la parole de Dieu. Non, non. C'est la parole de Dieu. Hey, avant qu'on ait créé cette maison,
la personne a d'abord conçu. Amen. Amen. Dans le monde des idées qui n'étaient pas visibles. S'il a bien conçu là-bas, alors il va bien actualiser son nom. C'est la parole de Dieu. Autrement, l'antériorité de la conscience va déterminer aussi son autorité. Voilà Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Avant que le diable ne déje sa conscience, le Créateur, voilà Dieu, existait déjà. Il a beaucoup d'années d'expérience. Voilà Dieu. Amen. Alors, tu dois l'écouter. Son nom, c'est la parole de Dieu. De Dieu. La conscience qui grandit, qui s'épanouit, n'atteindra jamais la conscience qui n'a pas commencé, qui est omnisciente. Voilà Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand on compare Satan à Dieu, on va commencer un peu comme les magiciens d'Égypte avaient imité Moïse. Amen. Amen. Dieu fait comme ça, Moïse fait comme ça, les magiciens d'Égypte font. Après, arrive un moment où les magiciens de l'Égypte ne peuvent plus faire. Amen. Amen. Eux-mêmes vont dire que ça, c'est le droit de Dieu. Il est pareil pour Dieu. Et c'est là avec Satan. Il y a les choses que Satan peut faire dans le monde. Amen. Amen. Et tu le prends pour Dieu en trompant. À un moment donné, il va prendre les attributs de Dieu. Il va vouloir remplir les mêmes fonctions. Là, Dieu. Amen. Mais à un moment, quand la vraie lumière vient, quand la vraie conscience vient, alors on voit qu'il n'était pas Dieu et qu'il ne peut pas être Dieu. Quand on va commencer à appeler Dieu comme le tout-puissant, l'omniscient, gloire à Dieu, il ne pourra plus prendre l'endossement-là, gloire à Dieu. Amen. C'est terminé. Au niveau de la conscience, le diable sera jugé menteur, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La conscience est très importante dans la conviction du jugement. La conscience est de l'Esprit Saint, de l'Esprit, de la parole de Dieu. Tu connais la pensée de l'Esprit, tu connais comment l'Esprit pense avant de créer, mettre les étoiles sur leur place. Une étoile seule dépasse toute la terre. Amen. Amen. Tu peux faire paraître les étoiles en leur temps. Tu connais combien de milliards d'étoiles existent et Dieu les contrôle tous au même moment. Sais-tu entendre la voix des étoiles? Gloire à Dieu. Amen. Sais-tu entendre quand le soleil pleure ou le soleil rit? Sais-tu entendre la voix de la lune quand elle rit? Sais-tu quand elle paraît? Peux-tu régler la période des femmes? Gloire à Dieu. Par rapport à la manifestation de la lune, peux-tu faire parler le sang et la lune au même moment? Peux-tu faire que la lune se change en sang? Connais-tu l'expression qui sépare les 400 ans, amen, de temps marqué pour le mouvement de la rédemption de l'histoire dans le droit des rachats quand la lune se change en sang? Amen. Amen. Tous les 400 ans, est-ce que tu as marqué ça? Est-ce que tu peux penser? Peux-tu commander le vent? Il va dire ça à Job. Amen. Amen. Est-ce que tu peux commander au vent de souffler? Est-ce que tu peux recréer ou bien tu peux créer l'harmonie qui existe dans une âme et puis le vent? Gloire à Dieu. Amen. Celui qui est dans mon sang, quand le vent de l'esprit souffle sur lui, est-ce que tu connais la sensation qu'il a par rapport à celui qui est dans le sang de la chair? Et quand le vent du monde souffle sur lui, est-ce que tu connais le plaisir d'être agité, d'être mûr par le souffle qui vient de l'esprit? Est-ce que tu peux penser comme moi? Est-ce que tu peux organiser le monde et le mettre ensemble sans qu'il n'y ait pas un homme ou bien une puissance qui va s'élever et détruire toute la terre une fois pour toutes? Alors, quelle est la conscience qui les empêche, amen, de venir à leur mauvais dessein? C'est moi qui empêche que le diable n'engage l'humanité dans une guerre où tout le monde va se détruire, pensant qu'il est bien de se détruire, pensant qu'il faut que il vaut mieux que je meure, gloire à Dieu, plutôt que l'autre me domine, plutôt qu'on m'appelle noir, plutôt qu'on m'appelle comme ça, je m'en vais me battre jusqu'à ma mort. Le sentiment de l'orgueil qui a servi la conscience, c'est-à-dire que la valeur de la vie, tu dis qu'on ne doit pas me dire, on ne doit pas me faire, alors tu t'élèves là-bas, tu pars livrer une bagarre pour tout gâter, tu sacrifies la paix pour un sentiment qui n'a pas l'éternité. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas aller te battre là-bas, après tu regrettes les résultats. Gloire à Dieu. Quand tu t'es battu, après on t'a battu, on t'a tué, tu pars maintenant au feu éternel, tu as perdu le petit temps de paix que tu aurais pu utiliser pour avoir la vie éternelle. Écoutez le vrai évangile, livrez le vrai combat de ta vie qui devait être la liberté pour la vie éternelle. Il t'a trompé dans la thématique de la guerre, le démon de guerre, le dieu de guerre, Napoléon. Amen. Ils vont renverser les consciences. Vous allez entrer en guerre pour gagner les choses périssables. Gloire à Dieu. Et précipiter votre vie, votre feu, dans le lac de feu. Alors qu'avec le Seigneur, il va te donner la conscience de la vraie guerre. Amen. Amen. Comme lui
lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes pour avoir la vie éternelle. Toute la conscience qui te faut avoir pour ne pas perdre la force que Dieu t'a donnée. Alors, là, les regards, là, à Dieu, amen, avec les gars laquelle tu regardes la guerre, tu regardes les maisons, tu regardes les voitures, tu vas emprunter ces regards de ta conscience. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comme tu as la conscience qui veut gagner la vie au monde, alors tu vas prendre les regards là pour regarder la maison. Et quand Jésus va venir, il va te dire, qu'est-ce que tu regardes? Tu vas dire que, maître, regarde les belles maisons, les belles constructions. Avec quels yeux? Avec quelle conscience? Gloire à Dieu. Avec les yeux de quelle conscience? Tu m'appelles à regarder les belles maisons, mon fils. Moi, je n'ai pas les yeux là. Amen. J'ai les yeux de ma conscience. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce que tu appelles maison et ce que tu vois comme maison, ma conscience ne la voit pas comme ça. Ma conscience ne l'appelle pas comme ça. Toutes ces maisons seront jetées dans le lac de feu et de soufre. Adam, terminé. Il n'y a pas de maison ici pour ma conscience. Amen. Amen. Je ne vois que la boue. Je ne vois que la désolation. Je ne vois que la destruction. Je ne vois que la vanité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vanité de vanité. Tout est vanité. Vanité. Et pour ceux du vent, il n'y a pas de beauté ici que tu es en train de chercher avec le maquillage, avec la peau. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'habit ici. Je ne vois que la nudité. Gloire à Dieu. Amen. Avec les yeux de ma conscience. Gloire à Dieu. Mais toi, tu as les yeux de ta conscience. Conscience. Alors, il m'a dit que c'est élevé pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce qui est élevé aux yeux de ta conscience est une abomination. Ah, mes yeux. C'est là où on te colonne. C'est là où on te manque. Ton regard, ta conscience est une immaturité. Gloire à Dieu. Amen. Ta conscience est une irresponsabilité. Tu parles à perdition. Comment tu vas me rencontrer au dernier jour? Si tu me vois au dernier jour dans la conscience, avec les regards, si c'est le feu éternel. Alors, la manière dont tu me vois, avec tes yeux, les yeux, si ça appartient à une conscience, la conscience qui valorise le monde va me mépriser. Gloire à Dieu. Amen. Alors, dans le monde, tu vas me voir petit. Gloire à Dieu. Amen. Parce que tu vas élever les choses. Gloire à Dieu. Amen. Et tu vas voir même ton âme petite, mais tu vas voir les choses du monde élevées. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas vendre ton âme pour gagner les choses du monde. Alors, terminé. Tu as été créé à ma ressemblance. Je t'ai donné le pouvoir sur la terre. Tu devais voir la terre inférieure, inutile. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, tu as reçu la conscience du mensonge. Et c'est le regard là que tu prends. Et ça t'aveugle. Quand on va te dire que consacre-toi, donne-moi le temps de ton école, donne-moi le temps, donne-moi ton mariage, donne-moi le temps de ton travail, donne-moi le temps de manger la nourriture pour jeûner. Amen. Amen. Tu vas me mépriser. Amen. Tu vas me voir pécher. Tu n'as, je n'ai pas d'importance pour toi. Tu m'as dit que je n'ai pas le temps. Les yeux avec lesquels tu me vois est le résultat de la conscience. Gloire à Dieu. Amen. Que tu as. Alors, même les oreilles avec lesquelles tu m'entends, c'est le résultat d'une conscience. On va arriver là-bas. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, tu vas me mépriser. Je serai toujours derrière. Et toi, tu seras devant. Voilà le mystère de la désobéissance. Voilà le mystère du manque de jouissance, du respect dans le corps de Christ. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, dans la création de Dieu, la conscience qui est aveugle. Alors vous voyez mal à cause de la conscience qui vous trompe. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors que quelqu'un d'autre qui a ma conscience, amen, amen, il va regarder tout ça comme la boue. Alors pour me gagner, il va dire qu'il laisse tout ça pour venir me suivre. Il ne laisse pas seulement la maison, il ne laisse pas seulement le travail, il ne laisse pas seulement la femme, là, là, Dieu. Amen. Il ne laisse pas seulement la connaissance universitaire, il laisse sa vie, là, là, Dieu. Amen. Il laisse sa pensée, il laisse son cœur, il laisse ses émotions. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce qu'il possède, je vaux trop pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Je suis glorifié. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je suis trop puissant. Pour lui, je suis tôt. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il vient avec quels yeux? Les yeux de ma conscience. Gloire à Dieu. Amen. Pour m'admirer. Son nom, c'est la parole de Dieu. À cause de la conscience qu'il a reçue, il aura des désirs. Amen. Amen. Et le désir là, maintenant, il va me regardez, gloire à Dieu. Amen. À cause de la conscience, de la maturité qu'il a reçue, il va chercher les choses qui vont lui permettre de se préparer à ma rencontre. Gloire à Dieu. Amen. Pour que lorsqu'on se rencontre, on soit un. Amen. Amen. Pas qu'on soit séparés. Il y a des rencontres où on se rencontre pour se gâter. Amen. Il y a des rencontres où on se rencontre pour être un. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens que vous êtes partis au lit avant de vous séparer. Gloire à Dieu. Amen. Et d'autres que vous êtes partis au lit pour être ensemble. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a les mariages qui sont partis au lait pour se gâter, alors que
le lieu était fait pour que vous veniez ensemble. Son nom, c'est la parole de Dieu. La rencontre avec les pauvres, avec quelle conscience? Tu vas le regarder. Tu vas commenter à dire qu'il est comme ça. Il est comme ça. Je voulais telle chose. Tu n'as pas fait. Amen. C'est la conscience que tu as, gloire à Dieu, de ton mari. Donc ce n'est pas moi que tu attendais, gloire à Dieu. Amen. Tu attendais quelqu'un d'autre. Mais j'ai vaincu celui que tu attendais, gloire à Dieu. Amen. Et c'est moi maintenant. Alors je veux aussi te prendre avec lui et je vous envoie dans le feu. Qui ne s'éteint pas. La conscience que tu as te fait attendre ta vie dans le monde. C'est ça, non? C'est ça. Les choses de la terre. Tu ne peux pas attendre chez eux. Qui va te préparer à la rencontre de Dieu? Qui va te donner la conscience? Amen. Pour savoir ce qu'on va te demander à la rencontre de Dieu. Inconscient que tu es. Amen. Tu attends la défaite. Tu attends la mort. Tu attends des faux espoirs, fausses espérances. Tu t'es préparé par le jeûne. Tu as quelle conscience pour sanctifier Dieu en méprisant par la conscience de Dieu ce que ta conscience valorise. Amen. C'est que la chose de tes yeux, que tes yeux voient. La Bible parle de l'orgueil de la vue. Amen. Amen. L'orgueil des yeux, la convoitise des yeux. Alors, les regards pleins des yeux d'adultère. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé, fini là-bas. Tu n'es pas préparé, inconscient. Après, tu attends le monde. Tu attends le prince du monde. Tu attends la prophétie du mariage. Tu attends la prophétie de la belle maison. Tu attends la prophétie du voyage. Tu attends le mensonge. Ce n'est que Jésus qui va venir. Là, amen. Mettre fin à toi. Avec quelle conscience se trouvera-tu? De quel regard vas-tu le regarder? Tu vas le regarder avec des regards de la colère. Tu vas te fâcher. Il est plus fort que toi. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as faim en sa présence. Tu auras une faim éternelle. Tu auras une soif éternelle. Mais ça sera trop tard. Gloire à Dieu. Amen. C'est terminé. Tu seras comme l'homme riche dans le feu qui ne s'éteint pas parce que tu as été insensé. Les vierges folles. Gloire à Dieu. Amen. Qui n'avaient pas la conscience de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors les vierges sages avaient la conscience de Dieu. De l'époux. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc vaincre, terminer, j'attendais l'époux, gloire à Dieu. Amen. À sa rencontre, ils se sont préparés avec une conscience pleine. Son nom, c'est la parole de Dieu. La conscience des gens, des témoignages, l'époux est admirablement fort, gloire à Dieu. Amen. Il est désirable, mais regarde, se porte vers lui. Je veux le rencontrer à l'annonce de sa voix. Je m'éveille avec beaucoup de force, gloire à Dieu. Amen. Mon âme est rassasiée, est satisfaite. Tout ce que je veux, je le trouve en lui. Il rassasiera ses regards. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 53, verset 11. Il va rassasier ses regards. Alors, les regards de sa conscience. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la conscience de la conception du Dieu redoutable qui peut faire ce qui est impossible. Gloire à Dieu. Amen. Il me faut paraître le jour là devant lui sans tache, sans ride. C'est ça, non? Indépréhensible, parfait en beauté. Gloire à Dieu. Amen. Sans défaut. Robe blanche repassée. Gloire à Dieu. Sentant la louange du parfum. Gloire à Dieu, ayant lavé mes pieds, gloire à Dieu. Amen. Et l'huile sur ma tête, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu. Il est 3 fois 5, le corps lavé par le sang, le corps lavé par l'esprit, le corps lavé tranquillement par l'eau de la parole, les 3 parties du corps. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'âme purifiée, l'esprit purifié, qui va faire le miracle, être une femme à sa rencontre, qui n'a commis aucun époux. Amen. Amen. Qui n'a commis aucun homme, gloire à Dieu. Amen. Qui n'a pas été prostituée, vierge. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il peut faire ça, gloire à Dieu. Amen. La conscience de notre foi, qui peut me donner la conscience, le regard de sa conscience. Amen. Amen. Qui peut me donner le ministère, c'est-à-dire que quand il me regarde, la manière dont il m'aime, ce qu'il veut que je sois, la beauté, révéler sa gloire. Amen. Amen. La puissance de son regard, ce qu'il désire quand il me voit. Amen. Amen. C'est comment il veut que je sois, gloire à Dieu. Amen. Comment il aurait voulu que je sois quand il me regarde. Son nom, c'est la parole de Dieu. J'ai une conscience qui me fait prier, que regarde, demande-lui que quand il va te rencontrer, sa conscience a déjà prophétisé que voici le genre de personnes que je veux rencontrer. Amen. Amen. Quand je vais venir, alors prépare-moi alors à être, gloire à Dieu, comme ta conscience va vouloir que je sois le jour-là, parce que toi, tu es ici et puis tu es omniprésent. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est une cicatrice que j'ai ici qu'il enlève. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il aime les gens qui ont le long nez? Il n'aime pas le long nez qu'il enlève. Gloire à Dieu. Amen. Si c'est le long nez qu'il met, si c'est les oreilles plus qu'il met, gloire à Dieu. Son être à son goût, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va mettre par la conscience, il va me faire demander.
demander, désirer, gloire à Dieu. Amen. Quand il me regarde maintenant pour me préparer, il a une conscience, les yeux de sa conscience vont me regarder, gloire à Dieu. Amen. Omniscient, il dit que je veux que tu aies les longs cheveux parce que quand il va nous amener dans le livre de Cantiques, il va décrire la beauté qu'il veut que la Tsunamite ait, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va dire le genre de cheveux qu'il veut qu'elle ait, amen. Amen. Le genre de boucle qu'il veut que la Tsunamite ait, le genre de colis dans l'Apocalypse, gloire à Dieu. Amen. Dans l'église de Laodicée, qu'il veut que tu aies, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu. Le genre d'habit qu'il veut que tu aies, le genre de cou qu'il veut que tu aies. On parle, on dit que les boucliers des héros, ils sont suspendus, gloire à Dieu. Amen. C'est comme le tour d'une ville où le héros a remporté les guerres, les victoires pour te rendre beau. Amen. Amen. Toi qui étais nerd, il a enlevé la mauvaise tête que tu avais, il a remplacé par une nouvelle tête, gloire à Dieu. Amen. Il a enlevé la calvitie que tu avais, il a remplacé avec les cheveux, gloire à Dieu. Amen. Il a enlevé là-bas les oreilles, gloire à Dieu. Là-bas dans des combats terribles avec les démons d'assourdissement, les démons qui tordent la compréhension qu'on a prêché sur moi, que Jésus est contre moi, il a déjà vaincu. Il a vaincu les démons qui aveuglent. Amen. Amen. Les démons qui font mal parler, gloire à Dieu, qui commandent le goût. Il a vaincu l'arme du péché. Et on dit que les boucliers des héros, ils sont là-bas accrochés, gloire à Dieu. Les titres de la victoire de Jésus, quand il te voit, amen. Amen. Sur son cou, la beauté éternelle, la gloire le précède. Son nom est là-bas. À chaque victoire, il a un nom. Il s'appelle Invincible. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a les yeux comme une flamme de feu. Si sa cuisse était écrit un nom, roi des rois et Seigneur des Seigneurs, terminé le prince des rois de la terre. Tout pouvoir doit être, il révèle la gloire. Il marche avec l'arsenal de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà comment il veut te rencontrer. Gloire à Dieu. Amen. En ce jour-là, quand il a la conscience de la louange, gloire à Dieu. Amen. Qu'il veut qu'émane de toi la connaissance. C'est-à-dire que l'appel, il sait, il doit te préparer à sa rencontre. À la rencontre avec quelqu'un, il y a les noms que tu dois dire. Amen. Amen. Si tu vas rencontrer le président de la République, et puis tu commences à l'appeler Plankton. Amen. Est-ce que c'était ça? Non. Non. Est-ce que ça va bien se passer? Non. Non. Ça ne va pas bien se passer. Mais si tu le rencontres, tu dis excellence. Gloire à Dieu. Amen. C'est déjà ça. Son nom, c'est la parole de Dieu. Admirable. Gloire à Dieu. Amen. Ton Seigneur, Dieu puissant. Gloire à Dieu. Amen. Propriétaire de la conscience de la liberté. Hey, son nom, c'est la parole de Dieu. Un nom nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Propriétaire du regard de la conscience de la justice. Gloire à Dieu. Amen. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Dieu, propriétaire du nom de Dieu dans ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui a marché avec moi et qui a fait que je ne tombe pas dans l'orgueil. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a les boucliers de la victoire ici. Au Cameroun, victoire. Amen. Amen. Au Canada, victoire. Gloire à Dieu. Amen. Au Gabon, victoire. Gloire à Dieu. Amen. À Douala, victoire. À Saint-Bélima, victoire. À Yaoundé, victoire. À Consamba, victoire. À Boya, victoire. À Bétoua, victoire. Dans les 10 provinces du Cameroun, victoire. Dans les 7 possibles 6 continents du monde, victoire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Toute la terre, victoire. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Invincible partout, mystère vivant. Où tu m'as envoyé, je suis sorti vainqueur. Gloire à Dieu. Amen. Ton pouvoir t'a été donné dans le ciel, le ciel, la terre. Gloire à Dieu. Le fait des disciples. Gloire à Dieu. Amen. Regarde mes cheveux, c'est un troupeau de brebis. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Montre-moi tes cheveux un peu. Gloire à Dieu. Amen. Et regarde les disciples en abondance. Amen. Amen. La Bible dit que les cheveux ressemblent à un troupeau. Gloire à Dieu. Amen. Qu'on sorte de l'abreuvoir. Quelle beauté. Son nom, c'est la parole de Dieu. La conscience qui conçoit la beauté différemment de celle du monde. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La beauté parfaite. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors maintenant, il faut les regards. Gloire à Dieu. Amen. De la conscience. Il va me regarder avec cette conscience. Donc il faut que j'ai cette conscience aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pour voir en lui ce qu'il veut que je fasse. Gloire à Dieu. Amen. Alors le regard, la manière dont on regarde Jésus aujourd'hui est différente. Sur quelle montagne on s'assoit pour le regarder. Gloire à Dieu. Conscience élevée. Alors il devient tout glorieux. Gloire à Dieu. Amen. Alors quand il te regarde, il dit, qu'est-ce que tu es satisfait? Tu me satisfais pleinement. Il n'y a rien que je veux que tu ne puisses faire. Gloire à Dieu. Amen. Je suis venu chanter la louange de ta bonté. Gloire à Dieu. Amen. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Alors ton nom, c'est tout puissant. Gloire à Dieu. Amen.
Amen. Alors, omniscient veut dire tout conscient. Gloire à Dieu. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. Tout savant. Gloire à Dieu. Amen. Tu connais tout ce qu'il me faut. Tu connais la fin des fins et des fins. Amen. Amen. Donc, non, c'est la parole de Dieu. Je suis content. J'ai le fruit de l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. De te servir, de te suivre, d'être avec toi. Je suis assuré. Gloire à Dieu. Amen. Ta conscience est une grande assurance. Ta conscience est une grande confiance. Gloire à Dieu. Amen. Donc, non, c'est la parole de Dieu. Alors, tu as eu confiance en moi. Gloire à Dieu. Amen. Donc, non, c'est la parole de Dieu. Tu m'as fait confiance de ta beauté. Tu m'as fait confiance de ton sang. Tu m'as fait confiance de ton amour. Tu m'as fait confiance de ton nom. Amen. Amen. Tu m'as fait confiance de ton raisonnement. Tu ne m'as rien refusé sur la terre. Je suis content. Je t'attendais. Gloire à Dieu. Amen. Bon, quel veillet. Je n'ai pas connu le refroidissement. Je n'ai pas connu la lourdeur. J'ai été libre. Gloire à Dieu. Amen. J'ai bien vécu. Gloire à Dieu. Amen. Rien ne m'a manqué. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, tu me dis que je n'ai même pas encore commencé à voir ce que tu as préparé pour moi qui t'aime. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, les regards qu'on utilise dans l'église, ce sont les regards de la parole, de la conscience de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, à l'église, moi j'avais les regards fixés sur toi, gloire à Dieu, et je savais ce que tu voulais que j'aie. On parlait par les yeux. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as les yeux comme une flamme de feu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, terminé. C'est la parole de Dieu. Alors, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu aies une conscience qui va sanctifier tes yeux. Gloire à Dieu. Amen. Et nous étions partis montrer. Il faut bien comprendre, satisfaire tes regards. Ça veut dire qu'il va d'abord tuer l'autre regard. Amen. Amen. Il va tuer l'autre conscience, son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, si on parcourt quelques versets bibliques, ce n'est pas le temps. Quand on dit verset biblique, il s'étire. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois bien apprendre de ce mouvement qui est récurrent chez toi. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne dois pas laisser ton âme être contrôlée par un esprit contraire. Tu dois apprendre à écouter la parole de Dieu, l'âme et l'esprit de la parole, pas seulement en regardant le corps du pasteur. Amen. Amen. Pas seulement en regardant les yeux du pasteur, mais en regardant les yeux du vrai pasteur de ton âme. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé, si on présente les mauvais yeux que Dieu ne veut pas voir, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, clairement, gloire à Dieu. L'homme, au regard hautain. L'homme au regard hautain. Il ne va pas, il ne se prépare pas à rencontrer Dieu. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mon regard hôtel sera comment? Abaissé. Terminé. Freiné. Tu t'étais préparé à rencontrer Dieu avec la pensée orgueilleuse. C'était freiné. Tu ne te prépares pas au dernier jour. On a prêché sur moi. On m'a dit, on regarde hôtel. Amen. Amen. Tu devais regarder la volonté de Dieu. Comment il veut que tu sois. Gloire à Dieu. Amen. Donc, t'es préparé à être à son image et à sa ressemblance. La personne qui entre au ciel, l'homme au regard hôtel, il a la conscience. Orgueilleuse. Il veut devenir. Il veut la position. Il veut qu'on le respecte. Il veut automatiquement le leadership. Vouloir parler, vouloir imposer ta volonté, vouloir le désir contraire, c'est vouloir l'autorité. Amen. Amen. C'est déclarer la guerre. Quand tu dis que je vais cesser, c'est déclarer la guerre. Gloire à Dieu. Amen. Terminé là-bas. La guerre au Seigneur. Tu dois être soumis. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. S'élève. Tu vas voir les gens qui s'élèvent toujours avec les pensées inconscientes. Tu vois les gens qui parlent dans leur chambre. Oh! Dans leur chambre, gloire à Dieu. Amen. Ils murmurent des décisions qu'on est en train de prendre dans l'église. Quand ils murmurent, le diable les élève du coup sous l'autorité. Amen. Amen. L'autorité que le Seigneur a placée sur place. Tu vas voir de tels hommes, si on dit de jeûner, si on dit de laver les assiettes, il va venir s'asseoir au conseil des anciens et peut dire que même toi, pasteur, tu dois aussi laver les assiettes. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il ne se rend pas compte que l'orgueil est entré dans son cœur de loin sans s'en rendre compte. Est-ce que tu peux dire comme ça, Jésus? Non. Tu peux dire comme ça à la conscience qui a dit ça? Non. Tu ne peux pas, tu te trahis, montrant qu'il y a des murmures secrets au fond là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Très clairement. Et puis, il faut confronter les personnes pour bien comprendre leurs pensées. Parce qu'on regarde et on entend ce que tu dis. Gloire à Dieu. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. On a dit de jeûner. Après, tu dis que lui-même, est-ce qu'il jeûne? Son nom, c'est la parole de Dieu. Le Dieu. Est-ce que vous êtes au même niveau? Tu crois que c'est comme on dit à la bouche que, regarde, on est tous les
les enfants de Dieu, il n'y a personne. L'orgueilleux, est-ce qu'il comprend ça? Non. Il ne comprend rien, il a le regard hautain. Gloire à Dieu. Il ne voit rien. Tu peux être ici en terminale. Amen. Amen. Et puis, que tu pars, t'assois en sixième. C'est ça, non? C'est ça. Quand le professeur de terminale vient, c'est ça, non? C'est ça. Pour enseigner, lui qui enseigne la sixième et qui enseigne la terminale. Est-ce que maintenant il y a la différence? N'est pas la bonne du que vous tenez tous les élèves. Gloire à Dieu. Amen. Quand il bouge, et puis il te dit ceci. Amen. Est-ce que le gars de sixième là est comme toi qui a terminale? Non. Vous n'êtes pas pareil. Vous êtes tous des étudiants. Gloire à Dieu. Mais lui, il a resté la confiance de son maître. Gloire à Dieu. Amen. L'ange qui est là-bas, il te dit d'aller faire son nom. C'est la parole de Dieu. Pour bien comprendre la rébellion, les murmures. Et ça passe souvent imperceptiblement. Gloire à Dieu. Alors, son nom. C'est la parole de Dieu. Il faut bien voir. Parce que quand on va dire qu'on donne le parfum aux pauvres, c'est ça, non? Il va dire qu'on doit aller aux gens pour donner aux pauvres. C'est ça, non? Il n'y a pas de problème. Il dit que même toi, Jésus. Amen. Même ton parfum pour toi aussi, on enlève pour donner. Est-ce que quelqu'un comme ça est soumis? Non. Il n'est pas soumis. S'il obéit, il va murmurer. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va revenir sur toute cette sorte de rébellion. Gloire à Dieu. Amen. Et si le Seigneur dit de faire quelque chose, ne me mets pas dedans. Gloire à Dieu. Amen. Il dit pour toi, il dit pour que tu obtiennes l'amour, que tu obtiennes la grâce. Gloire à Dieu. Que tu obtiennes la profondeur de l'humilité, que tu te dépouilles de toi-même. Il veut t'enseigner. Gloire à Dieu. Amen. Ce que tu n'as pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand on dit de manger ensemble, je n'ai pas besoin d'être là. Gloire à Dieu. Amen. Tous les deux mangent ensemble. Son nom, c'est la parole de et Dieu. Et puis je ne suis pas là. Et faites à tout le monde écouter le message. Gloire à Dieu. Amen. Qui a été prêché ce matin. Amen. Même ceux qui ne sont pas là. Que le pasteur dit qu'il ne sera pas là. Gloire à Dieu. Qui n'est pas soumis au jour-ci. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est votre pays sans moi. Gloire à Dieu. Amen. Et que toute autre conscience qui aura encore la bouche pendant qu'on parle, tu mets le pasteur dedans, on dit de couper ta langue. Gloire à Dieu. Amen. Respecte l'autorité que Dieu a mise sur place. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu obéis pour mettre en pratique pour toi-même. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que ce soit bien compris. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si je voulais, j'aurais mon gaz. Si je voulais, je le conseille nous aide. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le parfum de Jésus, tu laisses ça tranquille. Gloire à Dieu. Amen. Quand on se lève au nom de Jésus pour dire quelque chose, tu te tais. Parce que c'est Jésus-Christ qui assure l'autorité là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Toi, tu restes parlant dans la position assise. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les gens qui murmurent, gloire à Dieu. Amen. De leur propre sang, est-ce seulement par Dieu? Est-ce que machin? Et ils font, on a lancé le jeûne. Il dit qu'il faut que le pasteur jeûne aussi. Amen. Mm. Si le pasteur ne jeûne pas, personne ne jeûne. Jésus n'a pas gêné. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pourquoi tu ne fais pas ce que la parole dit? Gloire à Dieu. Amen. Quelle conscience, quel regard est-ce que tu as? Son nom, c'est la parole de Dieu. Regarde Dieu. Quand je suis ici en train de parler, moi je ne serai pas en train d'enseigner. C'est toi qui me vois comme enseignant. Et ton regard hautain, gloire à Dieu, me voit mal. Tu t'élèves, tu veux devenir comme moi. Moi je suis comme celui qui écoute, comme celui qui apprend. Gloire à Dieu. Amen. Voilà tout ce dont j'ai conscience. Gloire à Dieu. Amen. Dont j'ai conscience comme un apprenant. Ce que je t'ai dit, j'ai le témoignage de ça déjà. Gloire à Dieu. Amen. Quand on dit que renonce à toi-même, j'ai le témoignage. Je suis témoin. Ne reste pas là pour vouloir me regarder. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand on dit que l'entrée à 18h, ne commence pas à dire que moi-même je vais rentrer à 18h. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand on dit pas dire que, écoute, la parole à 19h, tu me vois marcher. Là, écoute, la parole, c'est pour toi. Amen. Amen. Tu connais la parole où? Tu as écouté la parole où? Tu as jeûné combien de fois pour manger le sang de la parole, pour boire l'esprit, pour manger, pour boire l'eau de la parole. Amen. Amen. Pour avoir les oreilles de la parole, pour avoir les yeux de la parole, pour avoir la conscience de la parole, pour avoir le cœur de la parole, pour avoir la force de la parole, pour avoir la soif de la parole, pour avoir la faim de la parole, pour avoir la passion de la parole. Tu vas quitter, voir, ne pas voir ta nécessité en Christ. Amen. Amen. Tu commences à regarder le pasteur. Que Dieu casse de tels yeux. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et puis quand vous parlez là-bas, ne croyez pas que tout le monde a la même conscience. Amen. Amen. Il y a des choses que tu vas dire au pasteur et lui ne comprend rien pas. Amen. Amen. Et puis un enfant de la vérité vient dire, est-ce que tu as compris ce que celui-ci dit bien? Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a le regard hauteur. Gloire à Dieu. L'orgueilleux, faut voir de loin.
Amen. Amen. Qu'est-ce que le pasteur vient faire dedans? Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu écoutes la parole pour toi, pour obéir au Seigneur Jésus-Christ. Nom de Dieu. Amen. Et arrivé au ciel. Laisse le pasteur obéir au Seigneur Jésus. Qu'il a appelé. Nom de Dieu. Amen. Comme ça, il s'élève. Est-ce qu'après, il va obéir? Non. Si le pasteur ne fait pas, il va encore faire? Non. Le pasteur était là. Quand il faisait pour lui, tu étais là? Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Même dans les chambres. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide avec ce mensonge. Gloire à Dieu. Amen. Complètement humble. Le temps est fini pour moi. Gloire à Dieu. Amen. Alors, s'il parle bien, il a parlé. L'homme regarde. La tête sera abaissée. Et l'orgueilleux sera humilié. L'éternel seul sera élevé. Ce jour-là, le jour de la rencontre est terrible. Il n'y a que Dieu. Amen. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Parole de Dieu terminée. Prends garde quand tu es devant l'autorité du Seigneur. Amen. Amen. Prends garde à la parole que tu dis. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a les gens qui donnent un conseil pour sauver une mouche. Gloire à Dieu. Amen. Après, va tuer un chameau. Son nom. C'est la parole de Dieu. On va préférer que tu sauves le chameau et que tu tues la mouche. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, si ici, là, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien. Gloire à Dieu. Amen. Alors, quelle est l'autorité qui a appelé la réunion? Son nom. C'est la parole de Dieu. Je peux bien dire, frère, là, que faire une réunion là-bas. Amen. Et que personne ne manque. C'est ça, non? Est-ce que tu m'as dit qu'il faut que le pasteur lui-même soit là? Son nom. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'orgueil, ça. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. La conscience orgueilleuse. Jésus n'est pas là. Il est là. Pourquoi tu es conscient du pasteur? Il fallait plutôt dire que Jésus lui-même soit là. Son nom. C'est la parole de Dieu. Jésus est déjà là. Pourquoi tu veux un homme? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Son nom. C'est la parole de Dieu. Raclez toutes les mauvaises pensées dans vos chambres, dans les chambres de vos cœurs. Gloire à Dieu. Amen. Sous l'apparence de la bonté. Même la voix doucereuse quand tu as lâché. Jésus va revendiquer sa position. Son nom. C'est la parole de Dieu. De Dieu, on présente notre conscience que le Seigneur déteste. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il te montre que cette conscience existe. Ce regard d'une conscience hautaine. Amen. Existe. Son nom. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ici, clairement, on va regarder s'il parle encore. Il dit des regards hautains. Et un cœur comment? Qui s'enfle. Terminé. Le mauvais regard. Il ne croit pas comme Dieu. Il ne croit pas avec la conscience de Dieu que c'est Jésus seul qui est l'homme nécessaire. Gloire à Dieu. Amen. Dans tout ce que je fais, il faut que Jésus soit au centre. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Et des regards hautains. Et un cœur comment? Qui s'enfle. C'est une lampe d'air. Des méchants. Alors ce n'est que péché. Terminé. Et le regard qui est comment? Hautain. Est-ce qu'un tel regard peut voir Jésus? Non. Heureux les cœurs purs. Car ils verront Dieu. Amen. Avec tels yeux, les yeux du cœur qui est peu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Regardez mon temps là-bas. 49 minutes. Quand c'est comme ça, l'esprit commence déjà à avancer d'autres versets bibliques. Aidez les cœurs purs. Car c'est eux qui verront Dieu. Alors que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Alors il faut que le cœur soit comment? Pur. Alors le cœur pur est humble, n'a pas conscience de lui-même. Amen. Amen. Il a défini l'humilité comme étant l'absence de la conscience de soi. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc conscient de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors pour arriver au ciel, vous faites ce que Dieu voulait. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Obéis à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin que l'autre m'accompagne dans l'obéissance. On va revenir sur le point là. On ne veut plus entendre ça dans nos réunions. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Les rebelles. Gloire à Dieu. C'est l'œuvre dans l'assemblée. Que le Seigneur nous aide. Amen. En interpellant l'autorité. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je n'interpelle pas. Je ne suis pas dans ton affaire. Gloire à Dieu. Tu peux jeûner tranquillement. Et tu oublies la conscience de l'homme là-bas. Amen. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu donnes tout ce que tu possèdes en imitant le Seigneur. Jésus. Son nom. C'est la parole de tu Dieu. Tu ne donnes pas son sang. Tu ne donnes pas son cœur. Tu ne donnes pas sa conscience. Il t'a appelé à me voir. Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Si tu n'étais pas au camp, on ne devait pas prêcher la même chose. Devait. C'est toi qui es venu au camp, c'est à toi de te soumettre. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Oh Dieu, que Dieu nous aide. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide.
gloire à Dieu. Amen. Un, terminons, on va régler les trucs comme ça, mais laisse pas passer. Sans, non. C'est la parole de Dieu. Il dit que c'était le pasteur. Laisse le pasteur tranquille. Gloire à Dieu. Amen. Si tu veux l'autorité, c'est Jésus qui la donne. Amen. Amen. C'est l'autorité de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Laisse-toi tranquille. Tu t'avances dans ton petit coin. Amen. Amen. Et tu écoutes la parole de Dieu pour arriver au ciel. Terminer. N'attends rien derrière le pasteur. Gloire à Dieu. Amen. À quel comparerais-je cette génération? Si le pasteur habitait dans les hôtels. Amen. Si le pasteur était dans les grosses voitures, tu devais même avoir le temps de le voir. Non. Le temps de dormir avec lui. Non. Le temps de parler avec lui. Non. Ça ne vous suffit pas. Gloire à Dieu. Amen. Que maintenant, même s'il faut faire telle chose, le pasteur doit aussi venir et se faire. Maintenant, même pour laver les assiettes, le pasteur doit aussi laver les assiettes. Très clair, il peut venir à l'assemblée, dire dans la réunion des anciens, que on lave les assiettes, tout le monde, même toi. Ça, c'est Dieu, ça. Non. Ça, c'est Dieu, ça. Entre nous, c'est Dieu, ça. Ce n'est pas Dieu, c'est le mensonge, c'est l'orgueil, c'est la fausse humilité, la fausse sanctification, c'est la prétention, c'est le manque d'amour, c'est le ministère de la lettre, de la loi, son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Alors, si on avait dit à Jésus, tu vas dire à Jésus d'avril. Jamais. Tu vas dire à Jésus de venir laver l'assiette. Non. Parce qu'on dit qu'il est humble. Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu n'as pas vu une humilité plus grande que ça? L'orgueilleux. Regardez. L'arrogance. Le même. Avec des trucs comme ça, on veut renverser toutes les décisions mensongères. Son nom. C'est la parole de Dieu. Regarde, donc parle ici, clairement. Aide-moi, sois plus présent. Mon temps est fini. Je t'essaie de regarder et un cœur. Qui s'enfle. Lampe de méchants. N'est que péché. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, tu comprends clairement ici, la lampe des méchants. On revient ici, regarde rapidement. Avec moi, son nom. C'est la parole de alors, Dieu. Alors, tu es parti dans la lecture de ce, avec l'âme et l'esprit. De la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a six choses. Que est l'éternel. Il y a six choses. Que est l'éternel. Et même sept. Qu'il en a horreur. Qu'il en a. Qu'il a en horreur. Alors les yeux. Hautain. Les yeux comment? Hautain. Dominés. Gloire à Dieu. Tu ne, la personne de Jésus est méprisable. Tu ne pourras jamais voir Dieu si tu n'honores pas Jésus. Terminé, fini. On aurait pu vendre ce parfum. Tu n'as pas vu qu'on a dit à Jésus, peut-être ton ami. Gloire à Dieu. Amen. Et l'amour considère. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'amour estime hautement Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Un autre disciple va dire que mais c'est même petit. Gloire à Dieu. Amen. Allez chercher d'autres. Parfum pour le maître. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il ne connaît pas le côté de l'orgueil. On va revenir profondément pour déraciner. On ne veut plus jamais entendre ça. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Mais tu es l'esprit de leadership. Gloire à Dieu. Amen. Il me met dans les chambres. Lui-même, il mange la nourriture. Non? Ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Au Canada, c'est toi qui me nourrissais. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est toi qui m'as d'abord fait vivre la belle vie que j'avais avant. C'est toi qui m'as amené en Égypte. C'est pas le message qu'on a donné. C'est ça. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Son nom. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu, on va revenir dans toutes ces choses. Gloire à Dieu. Amen. Qui apporte le manque de vie commune. Les regards de la nourriture. Qui estime la nourriture plus que Dieu. Et parle arrogamment. Les regards du gain. Gloire à Dieu. Amen. Qui méprise Jésus. Le parfum qu'on va vendre va donner l'argent. Amen. Amen. Donc l'argent va lui donner une belle vie. Alors, avec vous ne pouvez pas servir Dieu. Et servir maman. Et le regard qui donne à l'argent a plus d'importance que le regard qui donne à Jésus. Alors, on aurait pu vendre cet acte. Jésus, c'est qui? Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. On va croire qu'il a bien parlé. C'est une conscience éveillée qui va te dire, qu'est-ce que tu as même bien compris ce qu'il est en train de dire? Arrête-toi d'abord. Son nom, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il ne se rend pas compte que c'est à toi qu'on est en train de donner? La parole de Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Parce que Jésus s'était plaint. Jésus a dit que laissez l'homme dans nos pauvres. Que le Seigneur nous aide. Vous aurez toujours les pauvres. Avec vous. Son nom. C'est la parole de Dieu. Parce que cette fille a fait ça pour moi. Gloire à Dieu. Amen. Après, il est orgueilleux. Quand Dieu vient honorer, on ne veut pas que tu viennes mépriser. Son nom. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu vient mépriser, on ne veut pas que tu viennes honorer. Son nom. C'est la parole de Dieu. Faut bien comprendre. Ne marchez pas avec les versets bibliques.
Quand il vient comme la crucifixion, tu peux venir comme la résurrection. Quand il vient comme la résurrection, tu peux venir comme la crucifixion. Terminé, anachroné. Que le Seigneur nous aide, son nom. C'est la parole de Dieu. Et puis de telles choses, les gens arrivent et puis parlent encore après. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu restes ferme dans l'éternel est. Gloire à Dieu. Amen. Mon temps est fini. Il y a six choses que l'éternel est. Alors, et même sept. Qu'il a en horreur. Les yeux. Hautain. Alors, la langue. Menteuse. Et les yeux ici. Hautain. Gloire à Dieu. Amen. Les yeux qui valorisent l'argent. On a vu ici comment les yeux de la conscience. Gloire à Dieu. Amen. De l'orgueil vont te faire obéir à Satan. Gloire à Dieu. Et c'est la clinique pratique hier. Amen. Amen. On a parlé du jeûne. On a demandé les gens qui jeûnaient. Gloire à Dieu. Amen. On a vu qu'il y avait 4 personnes sur près de 50. Gloire à Dieu. Amen. Qui sont en train de jeûner ici à la localité de Norbom, alors que les localités de village de la Victoire à Yaoundé, les frères de la conscience à l'est et pendant le net sont en train de jeûner partout. Amen. Amen. Et là où on se dit quartier général. Amen. Il y a 4 personnes qui étaient en train de jeûner. Les regards avec lesquels ils ont vu et puis analysé le conseil de Dieu, le commandement de Jésus de jeûner. Amen. Amen. C'est un regard méprisant. C'est un regard hautain. Et on leur a dit, voilà, c'était très mal fait. Pourquoi vous n'avez pas jeûné? Il y a une personne qui a levé la main, gloire à Dieu. Et la personne qui a levé la main, je l'ai averti, gloire à Dieu, qu'elle ne tente pas de parler, tu vas parler contre toi-même. Amen. Ne dis rien, tu vas seulement te condamner, parce que Jésus a une conscience supérieure. Il va vous humilier maintenant dans vos faux raisonnements. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas jeûné? Amen. Il va vous démontrer que vous avez les regards hautains, gloire à Dieu, en le méprisant, gloire à Dieu. Amen. Vous n'avez pas la conscience omnisciente de sa parole, le gain que vous devez avoir dedans, vous n'avez pas conscience, gloire à Dieu, amen, de ce que vous allez gagner. Alors notre conscience vous manque, que vous n'avez rien à gagner, gloire à Dieu. On lui dit ne parle pas, élève la main. Et parce que quand c'est comme ça, les démons là te poussent toujours. Amen. Amen. Que tu vas dire pour te justifier. La personne lève la main et puis elle dit que je ne jeûne pas parce que je sens mal au rein. Amen. Et puis j'ai quelque chose à caresser. Et puis tel machin. On dit voilà, tu as fini. Elle dit oui, je t'avais dit que tu ne lèves pas la main. Maintenant on va te confondre. Le Saint-Esprit va te confondre. Toi-même tu vas répondre à la question aussi maintenant. Dieu va te montrer comment vous avez le regard hautain. On lui pose la question. Ça non? Que si on avait dit que on te donne 1 million, amen, pour jeûner 3 jours, gloire à Dieu, est-ce que tu n'aurais pas jeûné? On a bien vu qu'avec 1 million, elle devait bien jeûner. Amen. Amen. Elle-même a reconnu que si on lui donne 1 million, on te dit que 3 jours, tu obtiens le 3e jour, on te donne 100 billets de 10 000. Ça, non? Ça. Tu vas gêner, gloire à Dieu. Et tout le monde à l'église a bien reconnu ça. Amen. Amen. Que si c'était maman qui avait dit de gêner, alors on aurait obéi, gloire à Dieu. Amen. Parce qu'on a une conscience avec les regards qui estiment maman, gloire à Dieu. Amen. Qu'un estime juste dans sa maison, gloire à Dieu. Amen. Et il n'y a que quelques personnes qui étaient en train de gêner. Et on est remonté près d'un mois. On a vu qu'il n'y avait pas 7 personnes qui étaient en train de jeûner, gloire à Dieu. Amen. Et le restant des gens là auraient jeûné si on leur avait dit maman était venue à l'église par un esprit de séduction, c'est ça non? Avec un regard d'autant pour devenir, et le pasteur prophétise que toutes les personnes qui vont jeûner les 3 jours auront sérieusement 1 million dans leur compte, 1 million de telles choses pour eux. S'il n'a pas que je dis, viens, on lui donne. Les gens auraient jeûné, gloire à Dieu. Alors, avec quel regard ont-ils regardé l'appel au jeûne? Amen. Amen. Avec un regard inconscient, parce que immature, gloire à Dieu, de convoitise. Quel regard aura-tu quand le Seigneur viendra? Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, les regards qu'ils avaient, ce n'était pas tourné vers Jésus. Amen. C'est tourné vers eux-mêmes, vers la conscience de soi, vers le gain, vers le moi. Est-ce qu'ils peuvent faire la volonté de Dieu? Non. Le regard maintenant de Jésus, son nom, c'est la parole de Dieu. Le regard qui regarde à Jésus va comprendre le salaire, gloire à Dieu, amen, qu'on obtient quand on regarde à Jésus. Ce qu'on veut, c'est la sainteté. Amen. Amen. Ce qu'on veut, c'est avoir la conscience qui ne fait pas l'erreur
Ce qu'on veut, c'est la vie éternelle. Ce qu'on veut, ce n'est jamais aller au feu éternel. Alors le jeune si a une récompense, un salaire plus grand, gloire à Dieu, amen, que l'autre. Mais tu ne connais pas Jésus, tu ne l'aimes pas, tu ne l'estimes pas. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors on voit que tu vas obéir à celui que tu estimes, gloire à Dieu. Amen. La désobéissance comme ça, à partir de quelle conscience? Alors c'est pourquoi tu ne te prépares pas à rencontrer Jésus, tu te prépares à gagner ta vie. C'est ta vie que tu attends. Amen. Amen. C'est tes voix que tu attends, le regard hautain, la conscience, la fille de la conscience qui s'élève. Amen. Amen. Que la conscience enfante, c'est seulement ça que tu vois, c'est seulement ça que tu comprends. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. De Dieu. Tu comprends seulement qu'on me domine, tu comprends seulement qui veut régner. Tu n'as pas vu l'abaissement de Jésus, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu n'as pas vu d'autres gens gênés, son nom, c'est la parole de Dieu. Pourquoi tu n'appliques pas ça quand on parle de l'obéissance? Gloire à Dieu. Amen. Comment d'abord mettre ça en toi-même, son nom, c'est la parole de Dieu. Vouloir être leader où tu n'as pas de témoignage, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminer tout homme esclave de ce qui a triomphé de lui. Les regards hautains, son nom, c'est la parole de Dieu. Aîné, c'est pourquoi aîné, une manette montante est fainée. C'est pourquoi beaucoup de gens tombent, gloire à Dieu. Amen. Ils méprisent, ils ont les regards qui méprisent le Seigneur Jésus-Christ. Alors ils ont les regards pleins d'adultère, c'est ça, non? C'est ça. Adultère, c'est l'infidélité. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Le Seigneur va écraser les regards des hautains. Amen. Amen. Alors pour te préparer, il doit écraser ta conscience. Gloire à Dieu. Amen. Il va parler à Job et puis on va prier. Il va lui dire un secret. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va lui dire que d'un seul regard abaisse les orgueilleux. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il dit que si tu veux te comparer à moi, alors pas toi de ta force, de ta ceinture, et que d'un seul regard, amen, tu abaisses tous les orgueilleux. Gloire à Dieu. Amen. Que tu les enfermes dans l'inconscience, dans les ténèbres du dehors. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Que tu les enfermes, qu'ils ne sortent que la nuit. Gloire à Dieu. Et que le jour soit pour eux une horreur. Gloire à Dieu. Amen. Terminé. Ils seront toujours dans l'obscurité de leur cœur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Si on va regarder ce qu'il dit à Job, son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voici son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom a beaucoup de puissance, beaucoup d'autorité. Il, son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. S'interroge comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc il va t'interroger, tu vas l'instruire. Ça veut dire que tu connais plus que lui. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors que si là, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Tu vas devenir la parole. Tu vas avoir la conscience pour m'instruire. Parce que toute écriture est utile pour instruire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu veux le leadership. Amen. Tu vas me montrer le chemin. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas me conseiller. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Regarde hautain. L'intelligence hautain. Gloire à Dieu. La conscience hautain. Obscurcit les desseins de Dieu. Ta pensée de Dieu. Pas ta convoitise. Quand on va regarder, c'est ce que tu voulais qui t'a aveuglé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Honne-toi de magnificence et de grandeur. Réveille-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard abaisse les hautains. Tu peux faire le miracle là, avec le regard de Dieu. Tu connais ce que son regard fait à ton âme. Tu connais comment son regard parle. Tu connais comment son regard travaille. Tu connais comment il regarde ta respiration. Tu connais comment il regarde tes pensées.
Tu connais combien regarde ta conscience? Tu connais combien regarde les pensions de ton cœur? Tu connais avec quel regard que Dieu nous aime? Amen. Tu connais comment il te voit? Tu connais comment il te voit pour l'éternité? Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors d'un regard, humilie les hautains. Ce que lui fait. Amen. Amen. Dans un regard, il humilie les hautains. Il t'humilie. Gloire à Dieu. Amen. Dans ses conseils, c'est pour que tu sois pauvre, nu, malheureux, rejeté, balayeur du monde. C'est pour t'aider. Gloire à Dieu. Amen. Alors, s'il a déjà fait ça en l'autre, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que celui-là est sur le même jour? Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors, d'un regard, humilie les hautains. Tu es en train de parler à quelqu'un. Toi, tu es en train d'aller aux études pour apprendre. Amen. Amen. Alors, je suis ton parent pour payer tes études. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu parles à l'école, tu m'appelles? Non. Tu ne m'appelles pas. J'étais à l'école à mon temps. Gloire à Dieu. Amen. À mon temps, mon père ne partait pas à l'école à ma place. Non. C'est la parole de Dieu. Mais regarde, autant orgueilleux n'est pas il aussi, n'est pas sur le fils de Joseph, n'est pas sur le fils de Marie, lui-même ne lave pas les assiettes du foie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Que le Seigneur nous aide. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Les délons. Alors tu pars à l'école aujourd'hui comme enfant. Amen. Amen. Pourquoi tu ne dis pas qu'à ton père tu m'envoies à l'école? Pourquoi toi-même? Tu ne pars pas. Il a fait son école. Gloire à Dieu. En son temps. Maintenant c'est toi d'aller à l'école pour apprendre. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Les orgueilleux ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. L'école ne m'aimait pas. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. J'avais dit les choses. Il y a les choses que les enfants disent, ils sont inconscients. Il y a les choses que les enfants disent, ils sont conscients, ils doivent apprendre. Gloire à Dieu. Je vous avais parlé de l'exemple de mon enfant. Alors quand moi je suis en train de lire, il parle, il fait le bruit, je dis que tais-toi. Amen. Parce que je suis en train de lire, ou bien j'écoute le message. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, lui, il n'a pas de frère pour apprendre. Il croit que sa mère et moi et lui, on est les mêmes. Il ne connaît pas qu'il est un enfant. Gloire à Dieu. Il copie la conversation entre sa mère et moi. Amen. Parfois, sa mère va me dire, donne-moi l'eau. Parfois, je donne l'eau. Lui aussi, il ne connaît pas qu'il est enfant. Que Dieu t'aide. Gloire à Dieu. Amen. À connaître ta place. Alors, un jour, il est en train de lire son livre. Amen. Et puis, je parle avec sa mère. Il me dit, papa, tais-toi, je suis en train de lire. Bon, papa, tais-toi, je suis en train de lire. Amen. Et il ne connaît pas. Amen. Et il le dit, lui, comme ça, il dit que non, toi, tu es un enfant. Amen. Tu ne dois pas me dire à moi de me taire. C'est toi, prendre ton livre et partir loin. Gloire à Dieu. Amen. Pour aller chercher le silence là-bas. Mais moi, je peux te dire que tais-toi, pas loin là-bas. J'ai plus de force que toi. J'ai plus d'autorité que toi. Je l'assume ici maintenant. Son nom. C'est la parole de Dieu. Non, toi, tu balais l'église, je ne balais pas. Gloire à Dieu. Amen. Donc, oh, Jésus veut, il va me faire balayer même à un autre endroit plus glorieux où on voulait qu'on me glorifie. C'est là-bas que lui va dire que mon fils, toi, tu balais pour les passeurs. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Toi, tu as balayé, est-ce qu'il y a l'église, non? Est-ce qu'il y a les grandes personnes qui t'ont vu? Non. Mais il dit que toi, hein, mon fils pasteur, c'est ça, non? C'est ça. Conférencier, va balayer à la conférence. Gloire à Dieu. Amen. Autant les pasteurs du monde vont venir te voir balayer. C'est la parole de Dieu. Lève-toi pour parler. Tu veux conseiller Dieu? Tu veux conseiller Dieu? Parle à Dieu. Tu veux le conseiller? Mon frère, que le Seigneur t'aide. Le regard hôtel. Le regard menteur. Le regard qui gonfle, les mêmes, mauvaises pensées, qui ne méprise Dieu, méprise l'autorité de la parole, mettez dans l'église, méprise les vases d'honneur, que Dieu sanctifie mis à part, pour conduire le troupeau, qui ont l'esprit de Dieu, qui sont crucifiés, qui parlent par Dieu, pour l'intérêt de Dieu, parle à Dieu, qui t'aide, regard hôtel, blasphémateur. Irréligieux, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, pensant que la piété est une source de guerre. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Quel regard est-ce qu'il va te lancer? Quel regard est-ce que tu auras? Parle à Dieu, obéis sans murmurer, sans donner de conditions à Dieu. Tu veux l'instruire, tu veux l'enseigner, tu peux donner la conscience à quelqu'un, c'est une manière de prier. Jésus ne veut plus entendre les rebelles à l'église. Tu écoutes la parole de Dieu pour obéir, pas pour enseigner, pas pour conseiller. Tu écoutes pour obéir à Jésus, pour être selon son regard,
au dernier jour, Dieu te prépare à être selon son regard. Est-ce que tu lui seras agréable au jour-là? Et ton apparence pour être transformé, pour être régénéré par la Dieu, mon temps est fini. Je tiens le combat, mon temps est fini.